Stop. Super Nounou. Attends, regarde. Putain, mais même ici quoi, c'est grave sérieux. Bonjour tout le monde, je viens de terminer mon petit échauffement, donc j'en profite rapidement pour vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Il fait super beau, je devais aller courir tout à l'heure, plutôt en fin de journée. Et puis en fait j'ai un colis à livrer, du coup je me suis dit la poste est à quoi 6 km. Donc je vais partir courir maintenant et puis on rentrera en train tout simplement. Donc on est parti. T'es prêt Newton ou pas? Allez on y va chichou. On y va tranquille hein Yuyu. On est en mode livreur aujourd'hui, Newton. Comme à Noël pour les cadeaux. Doucement, mon Newton. Très bien. Super, ça. Super ça Newton. Ici la voix off. Je me suis rendu compte que ce que je disais était trop long et pas clair. En gros, je vantais les mérites des séances d'entraînement à un rythme plutôt lent. Mais j'apportais une petite nuance, à savoir l'envie du chien. Par exemple, moi Newton adore la vitesse, mais il adore également les courses longues et lentes, courir tranquille. Donc de partir sur une séance comme aujourd'hui, je sais que je ne vais pas le frustrer, et que si c'est le cas, il le communiquera. À ce moment-là, j'adapterai la séance. Alors que d'un autre côté, on a une Pepper qui va se frustrer beaucoup plus vite, donc je m'adapte à elle, c'est-à-dire qu'une séance comme aujourd'hui, je ne vais pas la présenter à Pepper, on s'adapte à son chien, d'où l'importance de le comprendre. Magnifique. À ton image, Yuyu. Vous voyez, pas de grosse traction. Vraiment une petite récupération. Putain, comment ça glisse, c'est grave. Oh, mais ici, c'est abusé, hein. C'est grave, sérieux. Les plus anciens d'entre vous ont reconnu, mais on arrive au niveau de la forêt où je cours souvent, où je fais mes performances, où je fais beaucoup de mes entraînements en fait. Et pour aller à la poste, je passe une fois encore par là. C'est vraiment mon rhum à moi quoi. Peu importe le chemin que je prends, et j'arrive vers cette forêt ou dans cette forêt. Stop. Super Newton. Attends, regarde. Putain, mais même ici quoi, c'est grave sérieux. Ah, ma petite forêt, tu m'as manqué. Je me sens bien d'un coup, là. Alors franchement, regardez ça, quoi. Enfin, c'est tellement agréable. Tellement agréable. Newton, on va aller à gauche. Oh, putain. Bon, là aussi, je vais faire attention. Bon, il a envie de partir là, j'ai l'impression d'arriver dans la forêt, ça l'a excité, donc je pense que je vais me faire 500 mètres à un bon rythme, histoire de le défouler un peu, parce que le but c'est pas non plus de le frustrer, et puis on continuera notre petite course de récupération.
tu veux bombarder Newton, c'est ça? Allez, on y va. Quel plaisir, mais quel plaisir de courir dans ce forêt. Ah là là. Puis on lit son petit colis en même temps. Franchement, une pierre deux coups, on allie les plaisirs. Bon après, je suis pas sûr que livrer un colis ça soit hyper plaisant, mais bon, moi j'y prends plaisir. Là-bas, de temps en temps, il y a des petites bibiches qui boivent un petit coup. Bon, c'est la dernière montée, Newton, et on aura fini. On traversera ensuite la ville en marchant. Putain, mais regardez-moi ces ampoules, sérieux. Alors là, j'aurais bien ramassé, mais ça va faire un petit peu beaucoup, quoi. Ah là là. Fils de chouette. Franchement, ça me rend fou. Mais vraiment, genre, on est en plein milieu de la campagne, dans la nature. Et t'as, mais... peut-être une dizaine de packs de bière avec des bières étalées. Non, non, c'est... tu peux pas ramasser, tu peux pas y jeter, enfin... Ah là là, ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Ça me rend fou. Et bon, on a terminé, Guillou. Stop. Super, ça, super, Guillou. Bon, et ben on a terminé. Là, on va être sur une partie full goudronnée jusqu'à la fin. Donc, on va finir en marchant tranquillement pour récupérer notre petite course, poser notre colis et prendre le train. En tout cas, j'espère que cette petite séance vous aura plu. Malheureusement, on a croisé 2-3 actions dont je ne citerai, dont je ne qualifierai pas, on va dire. Voilà.